Savez-vous que c'est possible de parler le Full Full Day en quelques semaines seulement? Avec l'essentiel du Full Full Day, c'est possible. Ce programme vous guidera pas à pas vers un voyage linguistique de 30 leçons vidéo qui vous aideront à tenir une conversation en Full Full Day. Que vous soyez expatrié, parent ou simplement passionné par la culture Peul, ce programme est conçu pour vous. Facile à suivre, accessible en ligne et compatible avec tous vos appareils. Commencez dès aujourd'hui et voyez la différence. Commandez votre formation maintenant et faites de l'apprentissage du Full Full Day une réalité, pas un rêve. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Full Full Day Class. À vous les anciens, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous avoir. À vous les nouveaux, installez-vous confortablement. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'amour en Full Full Day. Je vais vous donner trois expressions qui vous permettront d'exprimer votre amour en Full Full Day. Et c'est là aujourd'hui non, ce n'est plus les enfants. Il n'y a plus que Full Full Day Class. Comment faites-vous que les enfants parlent la langue de... Maintenant, je vais vous apprendre à aller séduire vos partenaires en Full Full Day. Allez les montrer comment vous aussi vous avez appris le Full Full Day. Et en bonus, je vous donnerai deux mots formés, deux participes conformes à partir des différents mots. Le Full Full Day est une langue riche, les amis. Je dis bien riche. Qu'est-ce que vous attendez donc? La troisième expression, non? La troisième expression, non? C'est la guerre, c'est vraiment la fin des camps. On se dit donc à tout de suite dans notre salle de classe virtuelle où on va déstresser en parlant de l'amour. Musi yam teddu be ngibbe fulfulde on gettama on gelana ma hayruji dudi on jabba ma hander sudu jangen fulfulde komin inali yubandira modon honata on yamata jamuji mon numba don noku de no wayde go okay min mi jamu alhamdulillah mi honi on bo. Aujourd'hui on va parler de l'amour comme je l'ai introduit à l'entente de mon propos, mais avant, actuellement nous sommes en train de lancer le programme L'essentiel du Full Full Day, un voyage linguistique en 32 leçons. Un programme qui te permettra d'apprendre des bases du Full Full Day jusqu'à l'immersion dans les situations d'apprentissage réelles. Je n'en dirai pas plus. Cliquez rapidement là dans la barre de description pour voir la description complète de ce programme qui vous permettra de vous exprimer couramment, en peu de temps, en Full Full Day. Vous nous avez demandé, nous l'avons fait. Les gars, que t'en parlons un peu de l'amour ici, là, non? L'amour, les gars! Si vous ne croyez pas à l'amour, parlons passé. Nous, on croit, l'amour existe. Ok, le verbe aimer en Full Full Day, c'est yidgo. Yidgo, le verbe aimer, c'est yidgo. Vous voyez? Maintenant, de ce verbe, de cette racine, découlent plusieurs autres particules comme l'amour. L'amour en Full Full Day, c'est yidde. Vous voyez? Yidde, c'est l'amour. Et maintenant, on va prendre un pronom personnel pour représenter ce du singulier. On va prendre le pronom personnel il ou elle en Full Full Day, c'est juste o, qui représente il ou elle. Le Full Full Day, c'est une langue qui ne fait pas de distinction de genre. Donc, les féministes, là, venez prendre le Full Full Day pour défendre les droits. Les gars, l'histoire, c'est trop chaud. Comment est-ce qu'on dit? On a donc pris le O pour représenter la partie du singulier et le B pour représenter la partie du pluriel. Le B, également, c'est comme le O. Il n'y a ni singulier. Il n'y a ni masculin, autant pour moi, ni féminin. Oyidi, il aime. Bengidi, ils aiment. Ici, il y a alternance consonantique. Et c'est donc à base de ce mot bengidi qu'on forme le participe qui est gido, parce que c'est un verbe de la voix active, vous voyez. C'est à partir de ce participe, on supprime le N qu'il y a devant et on forme gido qui veut dire amour. Vous avez déjà deux mots, les gars. Non, trois. Yidde, amour. Yidgo, aimer. Et... le troisième, c'est quoi? Guido, amour! Ah, Guido, amour, mon amour! Guido, amour, mon amour! Les choses commencent à venir. Ça commence à être très intéressant. Il y a également un deuxième participe beaucoup utilisé qui vient plutôt du verbe yidego, qui veut dire être aimé. Être aimé, yidego. Le verbe yidego, qui veut dire être aimé. Ce n'est pas un verbe de la voix active cette fois-ci. Yidego, être aimé. Et de ce verbe découle le participe gitao, qui veut toujours dire mon amour. Non, amour, qu'on ajoute gitao, am, ça veut dire mon amour. Est-ce que les gars, vous me suivez? Est-ce que vous comprenez même les mots? On a déjà combien? 5. Super. On retient donc qu'il y a
Yid, qui est l'amour. Yid go, qui veut dire aimer. Gida, gido, qui découle de ce premier verbe, qui veut dire amour. Le second verbe, yid ego, être aimé, découle de ce verbe le participe gidado, qui veut dire mon amour. Maintenant, nous allons donc commencer à prendre les trois exemples de phrases que vous pouvez utiliser pour exprimer votre amour. Mi yidimo hander bernde am. Première expression. Mi yidimo hander bernde am. Je l'aime de tout mon cœur. Donc, si vous voulez jouer ce que vous voulez envoyer, peut-être que quelqu'un allait dire que vous dites souvent, vous dites seulement que Yahoo, oui ou mo, va lui dire que mi yimo hander berndi am. Mi yimo hander berndi am. Je l'aime du plus profond de mon cœur. En traduction littérale, ça veut dire je l'aime dans mon cœur. Mais ça veut dire, puisqu'on contextualise les choses ici, ça veut tout simplement dire je l'aime de tout mon cœur. Donc je l'aime au plus profond de moi. Si vous parlez directement à la personne que vous aimez, vous allez dire donc à la place de mo, vous remplacez par ma. Et que les amis, pardon, allez seulement arranger les mariages de tous, sinon on va les dire, si vous voulez déclasse. Ouais, ceux qui doutent encore, cliquez là dans la barre de description, allez sur notre site web et regardez ce que disent nos apprenants. Donc, on va donc prendre la deuxième expression pour exprimer votre amour en fulfulde. Miyi ima bellere perndi am. Miyi ima bellere perndi am. Ça veut tout simplement dire je t'aime graisse de mon cœur en traduction littérale parce que bellere c'est la graisse et perndi c'est le cœur. Quand on dit miyi ima bellere perndi am, ça veut dire en fait je t'aime mon amour. Vous voyez, je t'aime mon amour. Et maintenant les gars, vous-même à partir des participe que nous avons vu précédemment, guido et guidado, vous pouvez former d'autres mots, comme par exemple, vous pouvez remplacer par bellere bernde am, mi ima, hander bernde am, guidado am, guido am. Je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que je veux vous amener. Vous apprenez d'abord les mots et ensuite vous formez les phrases en fulfulde. Les gars, est-ce que jusqu'ici vous comprenez même ce que je vous enseigne là? Les mariages seront arrangés aujourd'hui, après la vidéo aussi. Pardon, likez d'abord, mettez-la, écrivez-nous dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez de ce style de contenu. La troisième et la dernière expression, donc, pour exprimer son amour à son partenaire en fulfulde, que ce soit féminin ou masculin, c'est Yid dema da sakilia. Papa, hey, yeah. Maman, dès qu'on te dit seulement ça, on va seulement entendre men à trash. Pardon, il est bien dans la paix. Yidema sakliam, ça veut tout simplement dire ton amour m'embrouille. Saklogo, c'est déjà embrouillé. Vous voyez, à sakliam, tu m'embrouilles. Tu m'as embrouillé, pardon. À sakliam, tu m'as embrouillé. Est-ce que jusqu'ici, nous sommes sur la même longueur d'onde? Super. On retient donc que pour exprimer son amour en fulfulde, il y a trois façons qu'on peut diversifier en près de 1000 façons en utilisant juste les termes et les expressions. Nous avons d'abord le verbe aimer en fulfulde qui se dit yidgo. Le participe qui découle de ce verbe, c'est guido. Ensuite, nous avons le verbe yidego, être aimé. Le participe qui découle, guidado. Nous pouvons dire que mi yidima bellere berndeam. Je t'aime ma chérie. Je t'aime mon chéri. Ça passe. Mi yidima guido am. Je t'aime mon chéri. Mi ima guidado am. Je t'aime mon chéri. Également, yidema sakliam. Ou alors, mi ima hander ernde am. Si vous avez aimé ce contenu et que vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour davantage étayer, faire scintiller le petit amour qui sommeille dans votre entourage. Moi, je crois en l'amour. Et vous, full des classes, d'abiamé in, c'est yes.